Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le qui de nous trois. Qui de nous trois ? J'ai vu mon cousin sur un toit en tôle pisser sur un fil électrique. Ok. Ok. Je sais qui c'est. Ouais, moi aussi, parce que ça peut pas être le mien, le cousin. Moi, ça aurait pu être le mien. Mais non, c'est pas ça. Parce qu'il pisse pas, ton cousin ? Non, parce qu'ils savent pas monter les toits. D'accord. Et toi ? Non, mais j'ai pas de souvenir de ça. Et de ce genre d'histoire dans ma famille. Ok. Non, moi, je pense que c'est toi. Bah, elle m'étonne, c'est Alex. Non, c'est toi. Quoi, c'est moi ? Je sais que c'est toi. C'est mon cousin ? Ouais. C'est peut-être mon cousin. Ah ouais, eh ben j'ai jamais vu une réaction physique anatomique de cet ordre. Raconte. Ça a fait quoi ? Parce qu'en fait, son corps tout entier, toutes les extrémités de son corps se sont tendues d'un coup. Parce qu'il a pris le jus, quoi. Toutes ? Toutes. Mais les pieds sur la tôle. Fait... Et c'est son... Voilà. Après, il a pissé plus haut, du coup. Mais enfin, voilà, c'était énorme. J'ai un peu eu peur, mais c'est passé. Ah ben ouais. Bon, vous m'avez démasqué. Ça doit être impressionnant. Voilà. Merci, Eric, pour ton cousin. Il est toujours vivant ? Non, il est mort ce jour-là. Personne n'a souffert pendant cette expérience. Électro-hydro-cuté. J'ai pris ma première cuite au voyage de préparation de ma communion. La communion solennelle, je pense. Ok. Pardon. Ok. Bon, ben, je pense que c'est toi. C'est Alex. Il est évident. Orlan, c'est toi. Bah, évidemment que j'ai fait ma communion. Je ne sais même pas ce que c'est. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Bon, c'est Alex, alors. Ah, bah, oui, ah non, bah, alors là, moi, communion, mais jamais de la vie. Mais c'est toi. Mais moi, je crois que je ne suis même pas baptisée. Ah, mais c'est toi. Ah, j'étais persuadée que c'était toi. Ah bon, ouais. Mais il y a des choses sur toi que je ne sais pas encore. Ben, tu vois la preuve. Ah putain. T'as vu ça un peu ? Alors, t'avais quel âge, hein ? 4 ans. Communion 4 ans. J'en sais rien. Ben, je ne sais pas du coup. Mais... 11. T'as pris une cuite à 11. Ah ouais. Ouais, avec les petites bouteilles de rhum qui est achetées à Proxy là. Ah ouais, les petites mignonnettes là. Voilà. Après, moi, je suis la confesse quand même. Parce que j'ai dû avouer tes péchés à l'abbé l'abbé Cunias, il s'appelait. Mais non, à l'abbé qui ? À l'abbé Cunias que j'avais fauté. Oh putain. Et, c'est vrai, l'abbé Cunias. Mais pour sur mes souvenirs, j'ai fait deux Notre Père, trois Je vous salue, mais c'était réglé quoi. Du coup, je me suis dit ça va. Je peux recommencer. Je sais ce c'est qu'il faut faire maintenant. Il est la cuite. Ça va. C'est que tu les connais par cœur. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé sur le jour du carnaval. Pour se tromper sur des trucs comme ça, il y a Corlan. Ouais, j'avoue que... Elle fait ses rendez-vous en double et tout, donc je pense que c'est Corlan. On dit pas toute la suite. Ok, je me suis trompé sur le jour du carnaval. Ouais, ben moi je dis c'est toi. Bah ouais. Et ouais. Et alors, ça a fait quoi ? Rien, c'était super. T'es arrivé au boulot déguisé, c'est ça ? Un lapine. En lapine. Non, en fait, j'étais un peu speed à l'époque et j'ai laissé une de mes filles à l'école déguisée pour le carnaval et le carnaval, c'était le lendemain. Oh, la pauvre. Ouais, trauma. Ah ben ouais. Et du coup, depuis, elle est en thérapie. Mais non, mais ce qui est fou, c'est que ce dont je me souviens, c'est dans ma tête, j'ai dit, franchement, les parents sont pas cool, ils jouent pas le jeu. Je me souviens juste de ça et de l'avoir laissé là. Tu peux quand même lui offrir peut-être un déguisement là pour te faire pardonner. Non, mais après, on a beaucoup parlé elle a été contente finalement parce que le lendemain, il y avait 40 princesses. Mais ce jour-là, elle a été la seule princesse. Ah, donc, finalement, quoi. Elle l'a pas si mal vécu. Il y a du positif partout. Hein. Okay. Et voilà, c'est ça. Ouais. Je m'en sers beaucoup de cet exemple en thérapie pour expliquer. Bon, j'explique pas parce qu'on n'est pas en thérapie. C'est ça. Après, je peux. Si vraiment vous me poussez, je l'ai là, au bout de la langue. Alors, je suis montée sur scène lors d'un concert. Et ben, je me demande... Eric était artiste, donc ouais. Tu vois. Je me demande si ça peut pas être. Ça peut être cool, ouais. Nous trois. Ça peut être ça. Mais, ouais. Toi aussi. Ouais. Et toi aussi.
Moi, je pense que moi, je vote pas. Pour dire que c'est pour nous trois, on a vécu ça. Ouais. On oui. était ensemble, peut-être. Non. Impossible. Non. Impossible. On n'a pas le même âge. T'étais pas née quand j'étais à mon concert. Ouais, c'est possible. Peut-être pas. Tu n'étais pas. Non, c'est toi. Mais non, je pense si, que ça c'est y est, je me rappelle. C'est toi. C'était le pire jour de ma vie, mais bon. Ah, mais oui, mais j'ai déjà entendu mais cette histoire. Oui, mais non, mais c'est pas moi. Oui. Si, c'est toi. Ah bon, je ne rappelle même pas d'avoir avec ça pour Camille, non Sébastien. Ouais. Mais entre ben autres, voilà. Deux fois même, trois fois. Mais toi aussi. Non, je ne suis pas monté sur scène. Toi, tu es monté sur scène avec un concert. Un concert, c'est toi. C'est elle, c'est pas moi, je ne l'ai pas dit. C'est toi ça. Ouais. Ah, tu vois. C'était ouais. Julien Doré. Pas du tout. Si, t'es parti avec. J'aurais aimé monter Patrick avec Sébastien. Julien Doré. Patrick Sébastien. Non, c'était M. Je suis montée sur scène avec M et devant 16 000 personnes. Waouh. Et j'étais complètement bourrée. Bravo. Ouais. T'as guéri ta blessure d'invisibilité. Complètement. Putain. Pourquoi t'as acheté un camion rouge alors? C'était pas fini peut-être, c'était mais pour ouais. boucler. Pour boucler la boucle ouais. de M. Non mais en plus, le pire, c'est que M arrivait devant les... On était plusieurs à monter sur scène. M, Mathieu Chédid. Et en fait, Mama. Il arrivait avec sa guitare pendant la chanson et il nous pointait avec sa guitare pour qu'on aille danser sous le grand M là. Et en fait, bon, on était 20 sur scène. T'es la seule qui l'a pas pointé et t'es montée. Moi, avec ma copine, jamais il venait vers nous. Tu vois, tout le monde ne pouvait pas passer. Et la fin de la chanson arrivait et ma copine, elle me dit « Alex, c'est notre moment, on y va. » Et là, elle me pousse. Hein. Et en fait, on part toutes les deux danser. Voilà. Et c'est énorme. Il y a une photo en fait, où M, il nous regarde passer. Il est outré, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'elles font, les meufs? Je leur ai rien demandé. Enfin, voilà. Excellent. C'était très, très drôle. Hein. C'était très drôle. Et du coup, tu l'as appelé comment votre enfant? Mimou. Mimoulette. Mathieu. 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 C'est sa retraite. Voilà. Non, mais c'était rigolo. Ouais. C'était un chouette moment. Beau souvenir. C'est pas toi. C'est ce qui fait que t'as plus besoin de travailler. Ce petit Mathieu. Hein, voilà. Attends, mais elle reconnaît papa. Pas encore. Et voilà, demain dans Paris Match, M a un enfant caché. C'est très excellent. Bah, oui, bah, écoute, il assume. Ouais. Super. J'ai couché avec un chanteur. Bah toi? C'est la régie qui me dit ça. Oh lui. Je le répète parce que. Pas lui. Alors. Chanteur si tu veux. J'ai failli mais je me suis réveillé. C'est. Ouh, là, c'est Alex avec M. C'est Alex avec M. C'était pas M. C'est le père de Mathieu. Je ne dirai pas son nom mais ouais. Ah ouais. Ouais. Didier Barbelil. Si tu veux. Pierre Perret. Il va pas. Ben bravo, non, il n'est pas mort. Il fait toujours. Cookie Dingler, la fille 50 ans, la queue des vieilles refs. Image. Charles Aznavour. Et là, elle essaie de faire la jeune. Stromae. C'est encore pire. Non, mais ouais, voilà, Cookie c'est Dingler. Moi. C'est Cookie moi, Dingler. Ah, tu me dis que tu t'es fait Big Flo et Oli. Alors là. Big Flo Oli. Génial. Big Flo Oli. Ouais, bravo, bravo. Ouais, mais allez. Non, c'était pas eux non spécial plus. Dédicace Oli. Ça donne quand même envie de savoir qui c'est. Hein. Ouais, mais de toute façon, non, vous saurez pas. Enfin, je pas. Si pas vous là. Posez la question en commentaire, je vous le dirai moi. Ouais, moi aussi. On va la cuisiner. Ok. J'ai raté mon inscription à l'université. Eric, okay, je Eric. Pense que c'est toi. Qui a raté ton inscription à l'université, je pense. Non. Comment, ça veut dire quoi, ça à j'ai raté mon inscription à l'université. Tu es allé à l'université? Lui, mais oui. Moi, oui, je suis allé à l'université, moi. Moi, je suis licencié de sociologie, ok. Ok, ok. Je vais te, t'expliquer toi, les comportements sociologiques. Ah, d'accord. Je sais exactement... Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai envie de dire que c'est toi. Je ne répondrai pas à la question. C'est toi. Je mange R2D2. Ça c'est là. Toi. Eh mais c'est moi. Hein. Mais toi aussi. Dis-le là. Toi aussi, c'est toi, Eric. Toi aussi, t'as fait la même chose mais que moi. Mais moi, j'ai pas raté mon inscription à l'université. Oui, mais t'as fait comme moi. Je l'ai subi. C'est ça, moi aussi. Mais non, mais c'est quoi bah, raté? Moi, je suis pas allée. Raté, ça veut dire que pour l'université, je savais pas où j'allais et j'ai complètement oublié les inscriptions. Et quand je suis arrivée, ouais. Il restait que deux stands ouverts. Ah. Un, c'était lettres modernes et classiques. Et là, la femme, j'ai dit, ah, super, bah, je fais ça, il n'y a que ça. Et elle me dit, bah, non, vous n'avez jamais fait de latin. C'est pour ça que j'ai une petite blessure qui fait que mes enfants ont fait latin.
Ah ouais, super. Et j'ai, ah mais non, j'ai pas fait latin. J'ai dit, qu'est-ce qui reste sinon ? Là, il y en avait un, pauvre peu cher, qui allait partir, qui avait eu personne de la journée, philo. Et voilà, je me suis inscrite en philo. J'avais pas eu le choix. C'était ça ou rien. Donc, d'accord. J'ai failli rater mon inscription, mais je me suis inscrite du coup en philo. Ouais, j'entends. Mais c'est vrai que ça avait évoqué, moi, mon inscription obligatoire. Ouais. Toi aussi, t'as fait la même chose, je crois. Ouais. Moi, j'ai pris sociaux parce que c'est le seul qui n'avait pas rangé le stand le jour de l'inscription. Comme parce que sinon, j'étais obligé d'aller à l'armée. Ah là ? À l'armée. D'accord, ok. Donc, c'était le dernier jour pour s'inscrire. Sinon, j'étais incorporé 10 jours après. Donc, j'avais menacé tout le monde de tuer des gens, mais ça n'avait pas suffi. Il m'avait dit quand même OK. Donc, la seule solution que la... C'était qui ? Comment elle s'appelle d'orientation. La sociopathologue. La sociopathologue m'a dit, la seule solution qui vous reste, c'est de vous inscrire à la fac. Vite, c'est le dernier jour. Voilà. Et je suis parti de Castres à Albi et je suis arrivé. Il n'y en avait plus qu'un qui est joué sur son téléphone et qui était en retard. Et finalement, ça t'a plu ou... Ouais, ça m'a plu. Ouais. Je suis devenu sociologue. Ok. Voilà, je peux t'expliquer tout tes... Je peux dire que j'ai raté mon inscription à la fac aussi. Ah. Parce que du coup, j'y suis pas allée. Ah, ouais. Ah oui, tu peux dire ça du coup. Oui. Ah ouais, toi, tu as vraiment raté, toi. Ouais, la fois, elle prenait un bain. J'avais pas le bac. Du coup, c'est la question. Si, j'avais le bac, mais... Voilà. Le jour de l'inscription, j'ai pris un bain. C'est comme ça. J'avais autre chose à j'étais faire. J'étais tout flétri, j'ai pas sorti. Pour mes 9 ans, j'ai une arbalète et une carabine. J'avais oublié de répéter. Pardon. Eh oui. Oh, quoi que ça peut être toi, ça. Ah non, c'est toi. Ah, c'est peut-être la fille de militaire. Il a dit oui. Eh oui. Ah oui. Quoi ? C'est la fille de militaire, ça. T'as une arbalète et une carabine. Peut-être. C'est pas en plastique qui vibre. C'est pas ça. Non, c'est... Je peux pas dire ça. Ah, on peut pas dire ça à la caméra. Le sex toys tire qu'un coup. La carabine quand même. Pouf. C'est la carte. C'est le pistolet à eau, ça. Un monocoup. Et toi, t'as déjà fait l'amour ? Oui, une fois. Bon, donc, c'est fini. Je reprends la question. J'ai eu une carabine et une arbalète. Pour mes 9 ans. Pour tes 9 ans. Je pense que c'est Eric qui a eu ça pour ses 9 ans. Ouais, c'est des jouets de garçon, ça. Ouais. Ouais, j'avoue. C'est mon super parrain corse. Mais c'était des vrais ? Oui, c'était une vraie arbalète et une vraie carabine 9 mm. Et mon père, il m'a dit, oh super, viens, on va tirer et tout. Ah, mais c'était vraiment des vrais ? Oui, c'était vraiment des vrais. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, c'était des objets pour tuer des gens, quoi. D'accord, ok. Moi, je voyais le petit truc en plastique, tu vois. J'étais là, ouais, on s'en tape, en fait, tu vois, on s'en fout. Et après, bon, les gens ont commencé à le savoir. Et là, mon père a réalisé que c'était complètement débile et puis il me les a repris. Mais non, il ne peut plus tuer les hérissons. Et puis, un peu plus tard... Tu vois, il a éteint ta joie. Pour mes 16 ans, pas si tard. Pour mes 14 ans, je crois qu'il m'a proposé un Beretta. Ah. Que j'ai refusé. Parce que j'étais déjà un peu plus conscient. Ouais, c'est ça. Et je dis non, peut-être pas. Voilà. Mais voilà, c'était mon parrain. Ah ouais, il est sympa. Il était très unique. Je l'aimais beaucoup. Il n'est plus de ce monde, mais je l'aimais beaucoup. 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 Voilà. Cher, il n'a pas eu son Beretta. Ouais, c'est clair. La dernière fois qu'il a dit ça, là, un truc, une histoire de cadeau d'anniversaire machin, on te l'a refaire après quand même. Oui, un Beretta. C'était le qui de nous trois. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de partager les vidéos, de liker. Ciao, ciao. Merci. Salut, à bientôt. Merci.